CAF Afrique du Nord, il fait partie d'Ahna Biruna régional, donc il s'occupe du Maroc, la Libye, de l'Algérie. Et donc on fait partie de ce consortium méditerranéen pour la culture et la nature. Les deux pays, normalement, il y a que nos zones d'études, c'est le Maroc et la Tunisie. Donc, le Maroc, c'est le pays où la transhumance nous est majeure d'abriguer. La Tunisie, vraiment, en Afrique du Nord, c'est le pays qui compte le moins de transhumants. Donc, on a voulu faire cette comparaison et mettre l'accent sur ce phénomène en Afrique du Nord. Les deux photographes qui ont participé à cette exposition sont Wassim Roslani de Tunis et Younes Bakar du Maghreb. Le projet هذا في تونس عنده اهميه كبيره على خاطر اول étude تخرج على transhumance معناتها نحن معنا حتى document حتى étude sérieuse تعملت على transhumance في المغرب موجود في تونس اول مره حاولنا زاد نعملوا دي كارت de on a reconstitué les circuits de transhumance معناتها اول كارت موجوده donc نحن نحبوا نعملوا كل شيء pour sensibiliser le public aussi pour faire de l'éducation à l'environnement pour ce phénomène à la khatir. Il a beaucoup d'importance sur la biodiversité, mais aussi ça reste toujours un patrimoine culturel d'importance.